China chips in its president Paul Biya. This follows the signing of an accord to which the Chinese government so 1.8 billion francs CFA to the Cameroon government. The money will be used to assist of the crisis in the northwest and southwest regions of the country. And cabinet ministers begin defending their respective budgets assembly in Yaoundé. Today it was a turn of the Minister of Economic Planning, stories. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You're watching the primetime Balingua newscast on STV right away in the French language with René Nassis Moto. Bonsoir, Nassis. Bonsoir, Peter. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information bilingue sur Spectrum Télévision. Peter Soucy, vous le disiez, soutient le Cameroun dans la lutte contre la crise sécuritaire. Le partenaire diplomatique du Cameroun devient donc le mobilier scolaire, les nécessités donc quotidiennes et des équipements médicaux sur les consommateurs. Suivez ce reportage de Mireille Siabier. Ce soutien de la Chine, matériel divers, soit des équipements médicaux, du mobilier scolaire et nous avons signé des lettres. Cette année, nous accordons une aide de matériel humanitaire d'une valeur de 2,9 millions de dollars américains. C'est un soutien important au gouvernement et au peuple camerounais. L'année dernière, on a apporté une aide alimentaire d'une valeur de 6 millions de dollars américains à travers alimentaire mondial. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence a été lancé en juin 2018. Ouest et du Sud-Ouest, une action qui s'appuie sur la solidarité tant nationale instant prévisionnel doit servir dans des domaines prioritaires tels que la protection de santé, l'éducation, la reprise des activités économiques, notamment à et des pièces administratives individuelles. Je dirais que le plan d'urgence humanitaire dit que sur haute instruction du chef de l'État, dès la semaine prochaine également, les services de la protection civile vont se déployer de denrées alimentaires et des kits sanitaires qui vont toucher près de 30 000 Moon est l'une des retombées de la participation du président Paul Biya au sommet de Beijing en Chine les 3 et 4 septembre à son homologue camerounais de soutenir son pays au plan d'assistance humanitaire d'urgence. At the end of the signing-in ceremony in Yaoundé today, our reporter Mireille administration and that of economy planning and regional development, both ministers now throw emphasis on what took place in Yaoundé today. Let's hear them. The message is clear. President Paul Biya said on the 6th of that peace and stability should come back to the regions. And I would like to highlight, first of all, the Prime Minister signed an important decree yesterday in the Northwest and Southwest to coordinate the humanitarian plan of action. And today, with the Chinese, the Minister of Minipat has signed a very important document with the Chinese ambassador, granting 1.8 billion in the Northwest and Southwest region. So I think that it is something which is very important. The Minister of Territory program. It's a clear indication that the President Paul Biya has translated into concrete terms the speech he had. And I think that this is also a clear message that now that he has more attention is being paid to the Northwest and Southwest region, in the bushes should come out and lay down their weapons. We want to thank the Chinese partners because
And the Chinese ambassador has been very clear that in less than no time, in concrete terms, all the things which have to be given to us following this agreement will be supplied. So I think that is important, and we have to be thankful to the Chinese government, and we have to be grateful to President Paul Biya who for the two regions. Thank you. Let me first of all magnify the corporate which is in total to promote a strong economic, financial, social, cultural cooperation with this great country. As you know, some of our regions, the Northwest, the Southwest, are facing some challenges. And if you also recall, recently during his inaugural speech, the President of the Republic is to bring back peace, stability, and to reignite the development process of this part of our country. We are very pleased to record that our humanitarian support. We just want to believe that with this NRET, which is creating the new coordination center for the Cameroonian government is boldly moving towards implementing solutions as usual. Allons à présent aux nouvelles du Parlement pour indiquer qu'après la présentation du programme du gouvernement pour l'exercice 2019, lequel programme a été récemment présenté par le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yan, c'est au tour et ce depuis quelques jours des responsables des différents départements ministériels de passer devant la commission du budget. C'est d'ailleurs le cas du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et qui a donc présenté son programme ce jour. Lequel programme sollicite un peu plus de 5 francs CFA. Le compte rendu de Mireille Sabier. 52,3 milliards de francs CFA. C'est le montant que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire sollicite pour les remonte à la hausse par rapport aux 47 milliards obtenus en 2018 face aux parlementaires à la minorité par les perspectives de croissance que le gouvernement s'est fixé pour 2019 de 4%. De son côté, il entend capitaliser dans un premier temps sur la promotion du partenariat public-privé. Le projet Nakshigal est une illustration avec pratiquement 800 milliards de mobilisés autour des acteurs du secteur privé, autour de la confiance de l'État, parce que investir dans notre pays, c'est dire qu'on fait avec les secteurs publics et privés permettra, selon le MINEPAT, de un instrument véritablement efficace d'accompagnement à l'échelle nationale. L'autre objectif à atteindre avec ce budget au sein des collectivités territoriales décentralisées puisse être assuré. Pour reproduire plus et transformer, il est important que notre industrie puisse être prête. Et cette industrie, elle a besoin d'énergie. L'énergie qui est en train d'être mobilisée en termes de capacité de production et de distribution va aider notre économie à améliorer certainement sa compétitivité, son niveau de production et à satisfaire les demandes sur le marché national et le marché sous-régional. Le secteur de MINEPAT entend y apporter son soutien en accompagnant les agropôles. L'accent sera mis sur l'exploitation des matières premières. D'autres départements ministériels ont également défendu leur budget ce jour de l'Assemblée nationale, notamment le ministre de la décentralisation et du développement local, sa toute première enveloppe budgétaire.
place de la santé universelle au Cameroun. Cela a été martelé ces jours ici même à Douala lors de l'ouverture de l'Assemblée du Cameroun. Il était également présent à cet événement. Pour arriver à la couverture santé universelle au Cameroun, il y a un ensemble de préalables à remplir. National des médecins du Cameroun. Entre autres, la révision du cadre juridique réglementant le médecin, l'amélioration du plateau technique des hôpitaux sur l'ensemble une caisse de financement qui va financer les soins des populations et les retombées de tout cela. Et en fonction de l'efficacité d'un praticien, en fonction de l'efficacité de vie, des conditions de travail, j'insiste beaucoup sur les conditions de travail des praticiens. Garantie financière, thème central de l'Assemblée générale ordinaire. Universelle au Cameroun, et ce, pour trois raisons. Il s'agit de permettre à tous les Camerounais de se soigner convenablement. C'est-à-dire de mettre tous les Camerounais au même niveau. Et non des moindres. C'est une raison qui nous concerne. Il s'agit de pays. Et même l'exercice illégal. La troisième raison est fondamentale. Quand nous prêtons serment, nous jurons librement, solennellement, de respecter le serment d'Hippocrate. Et au quatrième point, je crois, nous jurons de soigner l'indigent de la même façon que celui qui a les moyens. Ce 23 novembre 2018 à Douala, pour la cérémonie d'ouverture de cette AG, le docteur Fritz Tonin-Tonin a été élevé au rang de médecin bâtisseur et le professeur Rose Leke fait Queen Mother. Un ordre peut en cacher un autre. Parlons à présent de l'ordre des avocats du élective est prévue demain 24 novembre 2018. 45 candidats en liste pour 15 pays et desquels sera élu le futur bâtonnier de l'ordre du Cameroun. Maître Kamga Jackson Francis, allons le savoir dans ce reportage qui tente, n'est-ce pas, de nous en dire davantage. Orient Donquin. Quatre élections sont au programme ce 24 novembre. L'ordre des avocats. Nous avons l'élection du président de l'Assemblée générale dont les candidatures ne et à l'élection du vice-président de l'Assemblée générale en deuxième lieu. Des candidats sont connus depuis au moins un an. De l'ordre, il se trouvera un qui sera élu bâton. 45 candidats sont en lice pour les 15 places du conseil de l'ordre. Toutefois, trois candidats au bâtonnat se sont déjà clairement prononcés. Le bâtonnier sort. Maître Ernest Itandji, et ce dernier fait partie d'un groupe assez particulier. Et face à cette bipolarisation au niveau du Conseil de l'Ordre, au niveau de notre barreau, nous avions pensé qu'il y avait une troisième voie. Et cette troisième voie, c'était celle de confrères qui ne se retrouvaient dans le camp et qui pouvaient donc apporter une autre vision du Conseil de l'Ordre, d'une certaine indépendance. Quelqu'un d'autre pour pouvoir exprimer ses pensées. Attention, ici, il n'y a donc,
Mais c'est-à-dire n'est pas notre leader. Il est un membre comme tous les autres. Nous sommes tous indépendants. Mais son envie d'être bâtonnier, rien n'indique que nous sommes d'accord avec lui. On s'exprime pas. Pour pouvoir donner une autre vision du barreau, qui est celle des confrères, des personnes qui au niveau du public, et les problèmes qu'ils peuvent avoir. S'il y a des divergences, s'il y a des problèmes, c'est donc une assemblée générale élective riche en rebondissements qui s'annonce demain, si l'on s'en tient aux multiples secousses qui ont agité le mandat du bâtonnier sortant. Élu le 31 janvier 2015, à la tête du barreau, ce qui n'est pas vu d'un bon œil par les autres. On se rappelle encore le courroux des stagiaires recalés au concours du barreau, sans oublier la grève des avocats anglophones. Now into the courtroom. Inducted into the Cameroon Bar Association in the Northwest region. Amenda Appeal Court, they have sworn to uphold the rule of law. Lovenberg reports. Have today become full-fledged lawyers with a laissez-passer to practice as barristers with the Cameroon Bar after taking an oath today at the Northwest Court of Appeal to serve mankind with a human face, especially the oppressed, in accordance with the laws. Amongst these 18 lawyers, 14 studied in Nigeria, 3 in Gambia and 1 in Cameroon. Barrister Nge John Gala, who sat in for the representative of the bâtonnier, says it is a plus to the Cameroon legal system. Association that we have barristers of Nigerian law school. I will not be able to evaluate them at this level, and I'm very confident from the way they took their oath, they will be up to the task. These newly sworn in lawyers have therefore pledged to be the voice of the voiceless in the community and to serve Cameroonians with the fear of God. It's feeling because it is a very challenging, it's a reminding experience of the lawyer being that lawyers are facing in Cameroon today. I feel a little bit anxious, but a little bit also determination to be able to make sure that we give back to our communities and promote Cameroon and also fight for the rights of preacher detainees. Any penny to have a lawyer. We as a young generation lawyers, by our training, we are and being transparent too with them. We want to assure the general public that we are a young generation. The dignity of our clients are being protected. These 18 lawyers who have been practicing in the because if they are dishonest, their clients will desert them. Parlons de toute autre chose dans est un délit. Greenpeace Africa l'a fait savoir ce jour à Yaoundé au cours du. Il est question ici de protéger les terres des populations autochtones. Olivier Bouzeke revient sur cet événement. Selon l'ONG Greenpeace, depuis 2011, la filiale camerounaise d'Alicion Agri Corporation Limited a déboisé plusieurs hectares de forêt tropicale qui n'ont pas été une plantation de culture de caoutchouc, soit plus de 10 000 hectares. Arrêteront au cours des prochaines années au détriment du bien-être des populations autochtones. Que les terres sont prises, les terres qui sont sources de vie, les terres qui nous permettent de nous nourrir, les terres qui nous permettent d'avoir la pharmacopée traditionnelle, une fois que tout cela est pris et que rien en retour ne leur est donné, elles sont vouées à la mort. La réserve faunique du Djelobo, au cœur de la polémique, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ses valeurs en matière de biodiversité faunique. Ce menace ses valeurs universelles de la réserve, elle piétine également les droits des droits de l'homme,
Nous avons des allégations d'atteinte à l'espace vital des communautés. Nous avons des questions de droit à un logement convenable. Qui a commencé depuis plusieurs années. Nous avons eu à contacter la compagnie mère, nous avons eu à accompagner les responsables de la compagnie pour leur dire voilà ce qui se passe sur le terrain. Mais jusqu'ici, rien n'est mis sur pied ou alors rien n'est confirmé par eux pour dire c'est nous allons prendre des mesures. Ces acteurs de la société civile refusent de baisser les bras face à la situation et entendent continuer le travail de lobbying avec les chefs traditionnels, les parlementaires, les églises, le record pour pouvoir s'assurer que les problèmes rencontrés par les communautés locales connaissent une fin raisonnable. The Northwest region is in that part of the country say they are watching out for cases. The population on their part no longer news that there is a cholera epidemic in the nation, with some regions already affected. Although the Northwest region has not been affected, there are some risk zones. In Banja Street with the red pigs near the be a source, Damukon, because of the culture of the people that are mostly Muslims, towards below Foncha, where you have this float of River Mezan. When rain falls, water carries everything, even the be able to carry. The Northwest Regional Delegation of Public Health has not remained indifferent as far as cholera epidemic is concerned. The first thing we did was to get the governor of the Northwest region chair a sensitization campaign. We brought all the stakeholders together, essentially members of the Regional Cholera Control Committee, to be able to brief them on the importation and spread of the disease, bringing together all the district medical officers of the 19 health districts for us to elaborate district contingencies. It's like visiting public places like schools, like markets, like bus stops, to be able to inspect their hygiene and sanitation conditions. The Nkwen Subdivisional Medicalized Health Center has equally put in place some measures area of command. The first measure that we have taken into place is to empower our staff. We have given them the measures of hand within the health facility. They have empowered community health workers and they have taken these lessons to sterilize their water, make it portable and also in proper hand washing, and also to tell them about how to handle have a challenge of water. Many people use pit toilets and the pit toilets are not properly located. Is just to get an oral rehydration salt solution and get that person drink as much as possible. By just getting a liter of potable water, adding a pinch of salt, of sugar, and that is it. The population has been advised to take their personal fruits and vegetables before consumption. Ceremony de mais les préparatifs s'intensifient au niveau du comité d'organisation au cours de la cinquième réunion préparatoire au niveau de chaque commission. Aussi, les présidents des deux clubs finalistes ont eu un appui financier du chef de l'État de main du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Ismaël Bidompat. Olivier Bouzique. Cette enveloppe contient 10 millions de francs CFA en liquide. C'est l'appui octroyé par le chef de l'État à chacune des deux équipes finales. L'argent leur permettra de se doter des ressources d'insport de la Lekki, comme dans la tanière de l'homme blessé de Futuni. Sur les dépenses prioritaires pourront être couvertes. Vous savez, les enfants vivent à l'hôtel, ils doivent se nourrir. Une fois la date annoncée, qu'ils puissent effectivement être prêts à de la cérémonie de clôture de la saison sportive 2018. Organisation réussite. À la commission mobilisation et volontariat, un plan d'accueil des spectateurs au stade Omnisport établi.
Le ratissage se poursuit en vue de mobiliser les quelques 20 000 jeunes sollicités pour que tout se déroule dans le calme. Idem pour les commissions de communication ou la commission médicale qui a déjà procédé à la répartition du personnel, ambulances et postes avancés pour des secours instantanés. Pour le président du comité, aucun détail ne doit être disponible à tout moment pour les réajustements éventuels afin d'éviter aux premiers sportifs et à tous les Camerounais de connaître quelques désagréments et que le spectacle du jour dit soit un succès total. C'est la première manifestation populaire à laquelle Paul Biya prendra part, comme précise Pierre-Ismaël Bidoumpat, qui a appelé tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement en attendant la publication de la date officielle par la présidence de la République. Football, les préliminaires débutent dès la semaine prochaine en Ligue des champions de la CAF. UMS de Loum recevra l'Obistar Football Club, tandis que Coton Sport de Garoua se déploie. De toute façon, signalons à toute fin utile que l'équipe camerounaise a d'ailleurs déjà C'est auréolé de son titre de champion du Cameroun que Coton Sport de Garoua s'apprête à entamer sa culture affronteront au Burkina Faso l'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso Oulassou, ASFB. Ce match rentre dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. En conférence de presse le jeudi 22 novembre à Yaoundé, les responsables des Coton Sport ont affirmé qu'ils avaient besoin de moyens financiers pour mieux rehausser l'image du Cameroun sur la scène continentale. On a tant tiré sur Coton qu'en Champions League, on ne fait rien. Mais, par contre, on devait aussi aider, je parle de l'État, qui devait aider Coton à rehausser le niveau. Le budget de Coton pour le match avoisine à plus de 20 millions. Vous imaginez, actuellement, on a fait 10 jours aujourd'hui. C'est un moyen colossal que nous avons mis pour que ces jeunes soient à l'aise. Depuis la finale perdue en 2008 en Ligue des Champions, car Coton Sport a désormais l'ambition de remporter le sacre et compte pour cela sur les nouveaux et anciens joueurs. Coton est en train de produire des jeunes qui ont de la valeur sûre. Ils n'ont pas démérité et ils sont en train de prouver. Et je crois que Coton, pour le match du Burkina, nous comptons les anciens que dirige l'équipe, M. Daouda Kamilou, qui sont là. Ils vont encadrer les jeunes pour qu'on ait un résultat, pour que dès la phase aller, que de passer au tour suivant. Et je crois que ces jeunes sont engagés à donner le maximum d'eux. Ils sont prêts à faire le défi pour cette année. Pourquoi pas aller à cette ambition. Pour le match de mardi, la délégation de Coton Sport qui a quitté Douala ce vendredi de 24 personnes, dont 18 joueurs. Fin de ce 20h sur Spectrum Télévision. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir. Restez nous car nos programmes se poursuivent. Bonsoir, Pitan Soucy. Good evening, Narcisse. Good evening, Télé. Sines Pangang and John Paul Sam will be taking you through the weekend bilingual news. The purpose is
just a starting point.